Ce ne serait pas le professeur Wernell? Où va-t-il comme ça? Voyons, il y a à peu près 150 boutiques ici. Mmh. Donc sûrement dans l'une d'elles. Mmh. Ah. Salut les filles, si vous voulez des réductions pour le parc aquatique, vous n'avez qu'à me demander. Ah non, cette promotion est terminée depuis hier. À la raison! Règle numéro 1. Si tu veux draguer une fille, Bob, essaie de ne pas passer pour un idiot. Tu crois que tu y arriveras? Désolé, je suis en retard. J'ai raté un truc? Tu as raté Bob le grand séducteur en action. Eh, hey, t'en fais pas, Bob. Tu auras d'autres occasions. Il est là, je le vois. Attendez le bon moment. Il me faut absolument cette montre. Je n'ai plus de fièvre maintenant. Mais je suis piégé ici, et mon pauvre Tom. Tom, je voulais te protéger de Nesseron, mais j'ai échoué. Et maintenant, je suis prisonnier. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait aussi dangereux de voyager dans le temps. J'ai été surpris par un dragon quand je suis arrivé, et il a réussi à voir dans le futur grâce à la porte du temps. Il a vu la Terre peuplée d'êtres humains, la race des dragons avait totalement disparu. Il n'y avait plus aucune trace de la lignée de Nesseron et la prophétie s'était réalisée, l'extinction de l'espèce des dragons. Ce dragon s'appelait Trick. Il m'a ordonné de le laisser passer. Il voulait se venger des dragons, mais la porte du temps s'est refermée. Je savais que je devais l'arrêter. Ma montre contenait toutes mes recherches, mes fichiers vidéo, mes notes sur mes voyages dans le temps et les preuves de l'existence des dragons. Je l'ai caché dans un lieu sûr, mais je savais que si Tom venait à voyager dans le passé, il la trouverait. Alice, prénom d'origine allemande et prénom d'une très jolie fille dont un gros garçon prénommé Bob tombera un jour follement amoureux. Ah, donne-moi ça! C'est bon, donnez-moi ça si vous voulez vous chamailler tous les deux. En voilà une idée intelligente. Nous donner cette montre, ce serait là aussi quelque chose d'intelligent. Oh, oh non, encore ces crétins! Vite, la sortie! Fini de rigoler, les enfants, donne-moi cette montre. Alors, c'est ma montre que tu veux, hein? Qu'est-ce que je viens de te dire, espèce d'idiot? Hey! Ok. Eric! Viens la chercher. À toi! Ah, bye! Il nous échappera pas. Excusez-moi! Tu as perdu la montre? Mais comment t'as fait? Oh. Quand tu me l'as rendue, je suis sûr que je l'ai mise dans cette poche, mais elle a dû tomber. Bon, d'abord, c'est une montre unique, et en plus, c'est un souvenir de ton père. Alors, on va retourner au centre commercial pour aller la chercher. Hein? Bob, ton sac à dos! Hé, hey, le jeu nous appelle. Qu'est-ce qu'on fait, Tom? Hein? Je suis contrarié pour la montre, mais ce serait trop dangereux d'y retourner maintenant pour la chercher. Les Dinofrost planifient une autre attaque. Je veux que vos combattants quadrillent le périmètre du cimetière des dragons. Nous sommes à vos ordres, Seigneur, mes seigneurs. Ne les laissez surtout pas s'emparer du Rockfrost. Va dans le passé et gagne dans le futur. Ah! C'est parti! Ptérodactyle, ouais! Vas-y, T-Rex! Allez! Allez! Hmm? Ah.
Ptérodactyle, c'est toi le maître du jeu, Eric. Et vous, votre mission, c'est de ramener le fragment de Rockfroze caché dans le cimetière des dragons. Compris ? On y va ! Nous avons passé les marécages, donc le Rockfroze devrait nous attendre plus bas au bout de ce chemin. On dirait que quelqu'un nous attend, les gars. Mais on dirait que c'est notre ami le mammouth. Mais sur son dos, ce ne serait pas Kera. Kera ? Beaucoup de monde connaît Melston. Melston ? Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu nous as jamais dit ton nom ? Vous ne me l'aviez jamais demandé. Puisqu'on en a fini avec les présentations, peut-on poursuivre ? Kera, dis à Tom ce que tu as à lui dire. Vous deux, venez avec moi. Mais hein ? Pourquoi ? Les dragons sont déjà en train de patrouiller la zone. Vous devez vous tenir prêts. Allez-y, je vous rejoindrai dès que je pourrai. Par ici. Tom ! Kera a vu James. Tu as vu mon père ? Dinofrost Evolution ! On s'est transformé juste à temps, apparemment. Oui, voilà notre comité d'accueil. Ah, armure Triceratops empoisonnée ! Smilodon Gladiateur ! Eric, ne perds pas de temps. Qui va en premier, toi ou moi ? Moi, je suis plus âgé que toi de 2 semaines. Flèche perçante ! Eh, c'est pas juste. Vous abandonnez aussi facilement, les gars. Comment est-ce possible que les Dinofrost deviennent plus forts bataille après bataille? Nous devons neutraliser leur pouvoir. Tu prends le gros, mon équipe et moi, nous nous occuperons du tigre. Nous devons les éliminer. Nesseron va finir par perdre patience. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur la porte du temps, misérable être humain. Je sais très bien quelles sont tes intentions, Nesseron. Je m'aperçois que tu connais aussi mon nom. Je suis bien placé pour. L'histoire de la race ancienne et disparue des dragons est devenue mon domaine d'expertise. Je me sens d'humeur extrêmement généreuse aujourd'hui. Je vais te proposer un pacte, misérable être humain. Quel genre de pacte, Nesseron ? Dis-moi comment voyager dans le futur et en échange, je ferai de toi le roi de ton espèce lorsque je régnerai enfin sur la terre entière. Réfléchis, le roi des hommes, tous seront à tes ordres. La suprématie, le pouvoir, tout ça sera à toi si tu me montres la porte du temps. Roi des hommes. Exactement. Tu régneras sur chaque être humain et tous obéiront à tes ordres. Je veillerai personnellement à ce qu'ils le fassent. Où est mon père en ce moment, Kera ? En fait, quand James est parti, Kera l'a cherché. Mais elle ne l'a pas trouvé. James est perdu. Tu l'as sauvé et tu as pris soin de lui. Je t'en suis très reconnaissant. Ah ? Ah ? Ah ? Oh ! Désolé, Kera. Le cœur de Kera a aidé Tom. Moi aussi, Kera, je vais te parler avec le cœur. Comme tu le sais déjà, mes amis et moi, nous sommes les Dinofrost. Ah ? Nous sommes des êtres humains, mais nous pouvons nous transformer en des dinosaures exceptionnels. Nous venons d'un futur lointain, et nous voyageons dans le passé pour sauver l'humanité des dragons qui terrorisent cette planète. Cri de feu ! Si les Dinofrost échouent, Nesseron et ses dragons domineront l'humanité et le cours de l'histoire changera. La Terre ne connaîtra jamais la paix, mais seulement la terreur éternelle. Liane étrangleuse. C'est pour ça que les Dinofrost sont là. Nous devons nous battre dans le passé pour gagner dans le futur. Mais il faut que tu me promettes que tu ne révéleras jamais notre secret à personne.
Kera ne trahira jamais Tom et Lady Nofros. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui se passe? Gamelle? Il se cachait derrière un buisson. Et maintenant, il va nous expliquer pourquoi il vous espionnait. Est-ce que tu crois qu'il a vraiment entendu ce que j'ai dit? Je n'espère pas. Ils sont déjà beaucoup trop à connaître le secret des dinophroses. Bon alors? Il dit que mon père s'inquiète pour moi. C'est normal. Ça fait des jours que tu n'es pas rentré au village. Gamelle est venue chercher Kera. Kera doit rentrer au village maintenant, Tom. Ah! Allons-y, je t'accompagne jusqu'à ton village. Ah. Tom promet à Kera d'être prudent. Je ne comprends pas pourquoi Tom ne s'est pas encore transformé. John et Bob sont inférieurs en nombre et ça ne présage rien de bon. John est attaqué. Dinofros, évolution! Poison mortel! Armure T-Rex empoisonnée! Poison mortel! On travaille, Eric! Terreur des dragons à l'attaque! Il ne manquait plus que ça! Maintenant, le général Cobrax est hors-circuit. Waouh! Excellent tir, capitaine! Tu as eu le général Cobrax du premier coup! Mes seigneurs, je vous implore! Ce pacte me semble trop dangereux! Et tu crois vraiment que je vais l'honorer? Hein? Oh. Je me sers juste de cet homme pour en savoir plus sur la Porte du Temps. Après cela, il ne me servira à rien. Nesseron va bientôt me demander ma réponse. Et je suis sûr qu'il se débarrassera de moi après, quoi que je lui dise. Je dois trouver un moyen de gagner du temps. Grâce aux graines du fruit du sommeil, j'ai réussi à échapper à Trick. J'en reprends. Cette hibernation est mon seul salut. Nesseron n'a pas besoin de moi mort, il a besoin de moi vivant. Oh? Hein? Hé, hey, gamin! Oh! Ah! Alors ça, c'est ma montre. Tu vas me ficher le camp d'ici. Ah! Maman! 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 T'avais raison, il a laissé tomber. J'appelle le patron. Je me demande qui ça peut bien être. Professeur Warnell? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Bonjour, professeur Warnell. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Bonjour, Eric. Si c'est Tom que vous cherchez, malheureusement, il est sorti. Pour être honnête, c'est toi que je cherchais, Eric. Veux-tu bien m'accorder quelques minutes de ton temps, si on discutait à l'intérieur? Voilà ce qui s'est réellement passé. Alors le père de Tom est un espion? Quand James me l'a avoué, je n'arrivais pas à le croire, moi non plus. Mais pourquoi un célèbre paléontologue comme lui voudrait devenir un espion, professeur? Mon cher collègue James Carter voulait que cela reste un secret, mais il n'est pas difficile de l'imaginer travaillant pour une organisation secrète. Il est clair qu'il avait accès à des zones interdites. Ça aurait dû être le premier indice. Sais-tu combien de gouvernements cherchent à tout prix à trouver de nouvelles réserves de pétrole souterraines, des mines de silicium encore inexploitées ou des sous-sols contenant de l'uranium? Mais professeur, pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça? Parce que James voulait que personne ne l'apprenne, en particulier son fils Tom. Il était convaincu que sa mission serait bientôt finie. Mais maintenant, il a disparu et personne ne sait où il se trouve. J'ai peur qu'il soit pris dans un piège et qu'il ne revienne pas. Alors même si je lui ai fait la promesse, je ne pouvais pas garder ce secret plus longtemps. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Donc ce serait mieux si Tom apprenait la vérité? Exactement, Eric. Et j'aimerais que tu m'aides à la lui révéler. Filet incandescent! Tom et moi ne pouvons pas neutraliser les armes de Gladius en mode empoisonné. Désolé, Tom, je n'y arrive pas. C'en est fini de vous, Dinofrost. Alors, Eric, où es-tu? On aurait bien besoin de ton aide, là. Le professeur est parti juste à temps. Ok, Eric, concentre-toi et réfléchis, hein? Attaque Rock Froze, pouvoir de la montagne! À toi de jouer, Eric! Allez, c'est le moment du bouquet final! Attaque Rock Froze, foudre paralysante! Ce petit homme insipide a tenté de me rouler, moi! Ces graines ont la capacité de ralentir ses fonctions vitales en provoquant un état de sommeil prolongé. Je sais à quoi elles servent. Il s'est mis volontairement en état d'hibernation. Mais ce n'est pas tout, Seigneur. Il y a autre chose. De quoi parles-tu? Le prisonnier est conscient que vous le tuerez dès qu'il aura parlé. Et à mon avis, il compte sur quelqu'un en provenance du futur pour venir le sauver à ce moment-là. Voilà donc un moyen simple et infaillible de découvrir où la porte du temps se trouve. Attendre. Attendre que la porte du temps s'ouvre à nouveau. Super. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Par contre, quand il s'agit de parler à Alice, il n'y a plus personne. Oh, laisse tomber. C'est juste une amie. Eric, mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu. Le professeur Warnell est venu et je suis désolé, Tom. J'ai quelque chose à te dire. Hein? J'ai la montre. Bon travail. Des recherches pour l'argent? Mais enfin, mon père n'était pas un espion, Eric. Le professeur Warnell le pense, et ça semble logique. Je ne le crois pas, non. Mon père est beaucoup trop passionné par ses recherches pour renier ses principes comme ça. Oui, mais réfléchis une minute. C'est peut-être un concurrent qui en a appris ta montre? Non, je pense qu'il s'agit de quelqu'un qui veut mettre la main sur le secret que mon père a découvert. Oui, mais le professeur Warnell semblait savoir de quoi il parlait. Mon père n'est pas un espion,
Laisse tomber, ok? En tout cas, tu as bien fait de prendre tes précautions dans le cas où on te volerait ta montre. Tous les fichiers de James sont sauvegardés sur le disque dur. Vide, comme par hasard. Quoi? Il n'y a rien là-dedans. Aucun document. Tous les fichiers ont été effacés. Le professeur Warnell m'a dit autre chose. Il a prétendu que James avait de faux passeports cachés sous un squelette dans le sous-sol. Ah. Michael Grant, pharmacien. Nicolas Holden, ingénieur. Gabriel Byrne, informaticien. J'y crois pas. Vous l'avez fait? Oui, on a placé les passeports sous le squelette du dinosaure. Nous n'avons plus qu'à espérer que le poisson morde à l'hameçon. Il faut que tout se passe selon nos plans, sinon les choses risquent de fortement dégénérer.